Tu souffres autant pour eux. Mais tu lui dis parce que tu n'as jamais été amoureuse. Amoureuse, moi? J'ai encore toute ma tête. Tu rigoles. Puis, de toute façon, l'amour, ce n'est qu'un joli mot qui a été inventé pour les femmes. Les hommes, eux, savent même pas ce que c'est. Non, ce n'est pas vrai, Oula. Tu sais, les hommes en souffrent également. Par exemple, Tchaïkovski. Oui, oh, Tchaïkovski, lui, écoute-moi, je suis surtout à cause des... Non, non, Oula, je ne te permettrai pas. Tchaïkovski aussi, il a eu un amour malheureux avec une femme, une Française de surcroît, qui s'appelait Désirée. Désirée. Désirée pas, tu veux dire. Elle, elle ne le désirait pas. Lui, il l'a désirée, donc elle est un peu coquine. Non, Oula. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Au départ, c'était un sentiment réciproque. Et ensuite, elle était un diva d'opéra, lui un compositeur qui commençait seulement à percer. Donc voilà, aucun d'entre eux n'était prêt à sacrifier sa carrière professionnelle par amour. Tu parles d'un amour. Mais Oula, mais comment tu peux être si cynique et méchante? Je suis réaliste, c'est tout. Mais Oula, tu sais que Tchaïkovski, il a beaucoup souffert lorsqu'il a appris que Désiré avait épousé une autre. Suite à cela, il a écrit son ouverture fantaisie, le Roméo et Juliette. Un chef-d'œuvre. Dans ce cas-là, je voudrais remercier cette Madame Désiré d'avoir quitté Tchaïkovski. Car sans cela, nous n'aurions jamais eu la chance d'écouter cette pièce sublime. C'est vrai que tu as raison. Parfois, l'amour malheureux peut se révéler un stimulant très puissant. Pour les gens de talent, oui. Pour les autres, j'en suis moins certaine. Oula, Tania, à table. Comment ça, à table? On en sort? Elle veut nous transformer en dame? Bon, allez, Oula, ça te fera pas de mal. Un petit verre au jour pour ta nounou, puis ne fais pas du difficile.